Alibabache, la vache qui mâche sans bâche. Premier prix, prix du public et prix du défi circulaire. Le projet Alibabache porté par quatre étudiants de la Haute école Condorcet à Hat a raflé trois récompenses jeudi soir au Y Challenge, un concours scolaire entrepreneurial organisé en Fédération Wallonie-Bruxelles. Alibabache part d'un constat les bâches qui couvrent les stocks d'aliments pour bétail cumulent les défauts en Belgique, des milliers de tonnes de bâches plastiques et de pneus sont utilisées dans les exploitations agricoles pour couvrir les silos. Ce n'est pas très joli à voir dans nos campagnes, mais surtout, ça représente beaucoup de travail pour l'agriculteur, explique Valentin Coho, l'un des membres de l'équipe lauréate. Pour poser la bâche, il faut être trois ou quatre. Et au quotidien, l'agriculteur devra enrouler sa bâche régulièrement pour distribuer l'alimentation à son bétail. En tout, ça représente environ 40 heures de travail par an. Ajoutez à cela la question de la pollution. Ces bâches sont parfois recyclées, mais généralement, elles sont brûlées en fin de cycle. Quatre étudiants ont travaillé sur une alternative naturelle Ali Bâche, c'est une couverture de 5 cm préparée à base de résidus alimentaires et qui doit répondre à plusieurs besoins garantir une bonne conservation de l'ensilage et le protéger des intempéries. Les jeunes entrepreneurs ont élaboré une recette en mélangeant plusieurs produits et sont arrivés à une solution satisfaisante. On a réalisé un prototype et ça fonctionne. Le gros avantage, c'est que cette couverture est comestible. Au fur et à mesure qu'on avance dans le silo, elle est distribuée aux vaches, avec ce qu'il y a en dessous. Les étudiants envisagent un test à taille réelle pour l'an prochain. Mais avant ça, ils défendront leur projet à l'échelon européen. À cause du Covid-19, ils ne se rendront pas en Grèce. Mais Alibaba atterrira bien sur la table de ce nouveau jury. Premier prix, prix du public et prix du défi circulaire. Le projet Alibaba, porté par quatre étudiants de la Haute École Condorcet à hâte, a raflé trois récompenses jeudi soir au Yesh Challenge, un concours scolaire entrepreneurial organisé en Fédération Wallonie-Bruxelles. Alibaba part d'un constat les bâches qui couvrent les stocks d'aliments pour bétail cumulent les défauts. En Belgique, des milliers de tonnes de bâches plastiques et de pneus sont utilisées dans les exploitations agricoles pour couvrir les silos. Ce n'est pas très joli à voir dans nos campagnes, mais surtout, ça représente beaucoup de travail pour l'agriculteur, explique Valentin Coho, l'un des membres de l'équipe lauréate. Pour poser la bâche, il faut être trois ou quatre. Et au quotidien, l'agriculteur devra enrouler sa bâche régulièrement pour distribuer l'alimentation à son bétail. En tout, ça représente environ 40 heures de travail par an. Ajoutez à cela la question de la pollution. Ces bâches sont parfois recyclées, mais généralement, elles sont brûlées en fin de cycle. Quatre étudiants ont travaillé sur une alternative naturelle Alibaba c'est une couverture de 5 cm préparée à base de résidus alimentaires et qui doit répondre à plusieurs besoins garantir une bonne conservation de l'ensilage et le protéger des intempéries. Les jeunes entrepreneurs ont élaboré une recette en mélangeant plusieurs produits et sont arrivés à une solution satisfaisante. On a réalisé un prototype et ça fonctionne. Le gros avantage, c'est que cette couverture est comestible. Au fur et à mesure qu'on avance dans le silo, elle est distribuée aux vaches, avec ce qu'il y a en dessous. Les étudiants envisagent un test à taille réelle pour l'an prochain. Mais avant ça, ils défendront leur projet à l'échelon européen. À cause du Covid-19, ils ne se rendront pas en Grèce. Mais Ali Babash atterrira bien sur la table de ce nouveau jury. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles.